La victoire, ça fait du bien de renouer avec la victoire parce qu'on restait sur deux revers consécutifs, donc là, ça fait du bien au moral. Deux revers dont un assez important contre Bruges. Un assez important, effectivement, où on est à moins 15. On a bien rivalisé sur la première mi-temps face à Bruges. De tête, je crois qu'on est à égalité à 15 partout, à la 27e à peu près. Un petit retard à la mi-temps de 3 buts et on explose sur la deuxième mi-temps. Ouais. Ça se fait bien à la tête au goal average, hein, du coup. Ouais, puis à la confiance, peut-être pour les joueuses. Ouais, confiance, là, c'est ça. Là, aujourd'hui, on va essayer que ça soit notre point de départ de la saison, franchement. Et on va continuer de travailler pour. Ensuite, vous étiez opposé à 8 adversaires. On a su récupérer pas mal de ballons, donc forcément, ça les a fatigués de replier. Oui, la première arme, ça a été les interceptions contre-attaque. Bon, on a su récupérer beaucoup de ballons, et puis derrière, on était bon dans la projection, donc on a marqué beaucoup de buts comme ça. Plus 14 à la mi-temps, est-ce que le match était plié à ce moment-là déjà? Le match, ouais, après voilà, on s'était on a fixé des objectifs aussi de jeu sur ce deuxième mi-temps. Parce qu'effectivement, à plus 14 à la mi-temps, on a essayé de ne pas trop se relâcher. Ouais. Quels objectifs par exemple? On avait un objectif de but marqué, un objectif de but encaissé, et puis également sur la qualité de jeu qu'on pouvait proposer. Et alors? Ah, ça c'est entre les filles, c'est moi. Bon, d'accord. La seconde période a été nettement moins aboutie. J'avais l'impression que les joueuses étaient un peu moins concentrées, un peu moins précises. Ouais, moins précises. Après, c'est vrai que sur le début du championnat, on n'est pas parfait. Hein. On en perd beaucoup de ballons aussi. Chose qui s'est un peu plus retrouvée sur cette seconde mi-temps. Vous dire si c'est de la déconcentration, un peu de fatigue, je pense que c'est un mix un peu de tout. Mais il faut travailler pour encore faire mieux. Le point positif principal de ce match? Là, c'est la victoire. Franchement, c'est la victoire. Et ça va nous faire du bien à la tête. Pardon. Et un point particulièrement à travailler? Défensivement, je trouve qu'on prend encore trop de buts, et notamment autour de la DPO. Prochain match? Prochain match à Cambo. L'entente avec Irisari, ouais. Qu'on ne connaît pas, parce que ce n'était pas notre poule la saison dernière, mais qui fait un début de championnat plutôt cohérent. Donc ça ne va pas être facile, on le sait.